You grant me exclusive. I'm so high up and lucid. You take me to a safe place. We steady on the same pace. Yeah, I'm crazy. You like that? Don't back down. No, you talk back. Keep it spicy. That's a fat fact. We on the right track. Yeah. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride till we crossing the line like a champion. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride till we crossing the line, we some champions. We know how to make it rain in the bedroom. We don't need a club, got our own roof. Coming at the same time, yeah. It don't cost a dime for us. When we make it rain in the bedroom, we don't tell us all what we gon' do. Dirty little secrets, yeah. Keep it in the sheets with us. When we make it rain in the bedroom, bedroom. Pour réaliser ce magnifique cardigan, il va vous falloir donc notre nouveau fil bohème. Alors c'est franchement une petite pépite. C'est un fil, comment vous décrire ça, hyper doux, mais vraiment très 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 doux, que ce soit pour la peau d'un bébé, que ce soit pour la peau d'un adulte, ainsi de suite. Vraiment, c'est super super doux. Et en fait, il est très spécial, comme vous pouvez voir. Vous voyez, il n'est pas tout de la même couleur et c'est tout. Non, il a beaucoup plus de charme que ça, vous voyez. Et il existe en pleine couleur. Alors, il est vraiment très très doux. Donc, pour réaliser le cardigan que je ne le lâche plus, parce que c'est devenu mon cardigan chouchou, j'ai utilisé au total 420 grammes. Donc, ce sont déjà des pelotes de 50 grammes, pour que vous le sachiez. Et j'ai utilisé donc 420 grammes. Donc, au total, 9 pelotes. De la 9e pelote, il me reste encore 30 grammes. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 9 et d'un crochet numéro 8 pour certaines parties du point élastique. Vraiment, pour que le résultat soit optimal, c'est un crochet numéro 8. Ensuite, une paire de ciseaux, une aiguille à laine et de 4 marqueurs. Voilà ce dont vous allez avoir besoin. Alors, pour chaque taille supplémentaire, je vous recommande tout simplement 100 grammes de plus. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai fait une taille XSS parce qu'il me va vraiment très grand. J'arrive à le croiser complètement et tout devant. Donc, vraiment, il est ample, vous voyez. Donc, pour une taille M, moi, ce que je vous recommanderais, c'est de prendre 2 pelotes de plus pour être sûr, vous voyez, de ne pas en manquer. Pour une taille L, pareil, vous rajoutez 2 pelotes à la taille M, vous voyez, et ainsi de suite. Donc 100 grammes de plus par taille supplémentaire. Vous allez voir, il est d'une douceur et c'est tellement confortable de l'avoir sur soi. Vraiment, c'est le gilet, vous savez, qui réconforte quand on le met, quand on se sent trop trop bien dedans. Ben, c'est lui. Voilà, et il est composé du point Suzette. Alors, le point que j'ai publié il n'y a pas longtemps sur la chaîne, et vous m'avez demandé énormément de faire un cardigan avec. Donc, vous le voici. Oh, tout le monde est content du coup. Donc écoutez, sur ce, on peut passer au pas à pas. Alors vous allez voir, il est très simple. On va commencer donc dans le modèle original, parce que je vais vous le montrer en petit, il est tellement facile. Donc en fait, dans le modèle original, moi personnellement, pour ma taille, vous voyez, je fais du XS, XS, S, vous voyez, vraiment, parce qu'il est loose. Hein. Donc là, j'ai monté 44 mailles et j'ai travaillé à partir de la deuxième. Depuis le crochet. Donc dans la numéro 43, c'est là que j'ai commencé à faire ma première bride. Maintenant ici, vu que c'est un petit exemple, ce que je vais venir faire, c'est monter 24 mailles. Donc vous, vous faites la même chose. Vous voyez le nombre que vous voulez, il faut juste que ça soit un numéro pair. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 mailles. Donc là, je vous le répète, hein, c'est un tout petit exemple. Moi, j'ai monté 44 mailles. Voyez? Donc là, c'est juste pour vous montrer. Maintenant que c'est bon, on va venir compter 1, 2. Dans la deuxième, à partir du crochet, vous voyez, c'est là qu'on va venir commencer. Donc, on fait un jeté. Et dans cette maille-là,
on vient piquer et on fait une bride. Comme ceci, vous voyez. Maintenant, on vient sauter une maille et dans la suivante, vous venez faire une maille serrée et une bride dans la même maille. Vous voyez, réellement, c'est ça le motif de répétition. Donc, on va venir le recommencer ensemble. On saute une maille. Vous voyez ici. Et dans la suivante, on pique et on fait une maille serrée. Et dans la même maille, une bride. Tout simplement. Et c'est reparti. On saute une maille dans la suivante. Notre maille serrée et notre bride. Vous voyez? Et de nouveau la même chose. On saute une maille dans la suivante. Maille serrée. Et bride. Vous avez ce point-là expliqué sur la chaîne déjà. Je l'ai publié il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite, on saute une maille dans la suivante, la même chose, vous voyez. Une maille serrée, une bride. Et au total, moi, je vais avoir 10 motifs. Donc, en dehors de la bride de départ, vous voyez, je vais avoir 10 motifs. Là, j'en ai déjà ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en avoir encore 5. Donc, on va les venir les faire ensemble de toute façon. On saute une maille dans la suivante, maille serrée et bride. On saute une maille dans la suivante, maille serrée et bride. On saute une maille dans la suivante, maille serrée et bride. On saute une maille dans la suivante, maille serrée et bride. C'est toujours la même chose. C'est extrêmement facile. On saute une maille dans la suivante, maille serrée et bride. Vous voyez? Là, déjà, je dois avoir mes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez? Une fois qu'on a les 10, enfin, moi, pour ma part, hein, vous en avez plus. On saute une maille. Et dans la dernière, vous venez piquer et vous terminez par une maille serrée. Vous voyez? Ici, vous pouvez ajuster la dernière. Vous terminez par votre maille serrée. Là, on aurait fini le rang numéro 1. En vrai, c'est tous les rangs pareils. Donc, en fait, il n'y a qu'un seul rang de répétition. C'est pour ça que ça le rend vraiment très simple, ce cardigan. Donc, on vient retourner et on vient commencer toujours pareil. Une maille en l'air. Et sur la maille serrée que vous devez avoir ici sur le bord, vous commencez toujours pareil en faisant une bride. Donc, au départ, on fait toujours une bride. C'est la bride de bord, on va dire. Maintenant, vous avez toujours une bride, une maille serrée. Une bride, une maille serrée. Une bride, une maille serrée, vous voyez. On va venir toujours automatiquement sauter les brides et travailler uniquement sur les mailles serrées. Donc on vient sur la maille serrée, vous voyez. Et ici on fait une maille serrée et une bride, tout simplement. De nouveau, on passe au motif suivant. On a la bride et la maille serrée. On vient sur la maille serrée et on fait une maille serrée et une bride au même endroit. Et de nouveau, on saute la bride. Sur la maille serrée et bride. On saute la bride sur la maille serrée et bride. Voyez? Et ça jusqu'à la fin. À la fin, vous allez voir qu'il vous reste ici la bride qu'on avait fait tout à l'heure en départ de rond. Elle est là. Là, il y a la maille en l'air. Vous la zappez. Et juste à côté, il y a la bride. Vous venez piquer dedans. Et vous terminez toujours sur cette bride en faisant la maille serrée de bord. Là, on aurait terminé le rang 2. Vous voyez? Bien, le rang 2, c'est le rang de répétition. Donc là, on retourne et rappelez-vous, on fait d'abord une maille en l'air et une bride au départ. Vous faites une bride ici, vous voyez? Maintenant, on saute ici la bride dans la maille serrée suivante. Maille serrée. Hop, j'ai un cheveu à moi. Des fois, ça m'arrive ça. Hop, ça s'enquille dans la laine. Donc ici, une maille serrée et au même endroit, une bride. De nouveau, j'ai une bride et une maille serrée. Dans la maille serrée et bride. C'est vraiment la répétition du rang 2, vous voyez. On a une bride, on a une maille serrée. Sur la maille serrée et bride. Ça jusqu'à arriver à la fin. Et à la fin, vous terminez bien par votre maille serrée sur la bride du rang précédent. Sur la bride de bord, vous voyez. Comme je vous disais à la fin, vous avez toujours cette bride là. Vous avez la maille en l'air et la bride. Vous venez bien piquer sur cette bride là, ici.
voyez comme vous pouvez, parce que comme la laine est un petit peu poilue, voyez. Mais c'est simple, vous pouvez lever en fait le brin qui est derrière un petit peu enfoncé, vous le prenez, vous le levez un petit peu, vous voyez, pour que ce soit plus facile. Et là, vous venez piquer sur cette bride et vous faites la maille serrée de bord. Donc ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à avoir la hauteur au niveau du dos que vous souhaitez. Voyez, tout simplement. Donc comme quand vous arrivez, voyez de par exemple, on va dire, hein, au mi-fesse, voyez, jusqu'en haut, donc vraiment à la base de la nuque et des épaules, vous voyez, c'est que c'est bon. Admettons, hein, si vous voulez cette longueur-là, vous pouvez la vouloir un petit peu plus courte, par exemple à la ceinture. Comptez juste que quand on va finir le dos, voyez, ensuite à la fin, on va venir faire ici tout ce qui est le point élastique. Donc dans le modèle original, vous avez pu voir qu'il est pas mal large. Donc juste comptez-le ça. Vous voyez? Donc vous comptez cette mesure-là. Vous voyez qu'il va y avoir, je sais pas, environ. Donc, je vais vous dire environ, hein, moi ce que j'ai fait. J'ai fait environ 8 cm, vous voyez? Donc voilà. Ben, écoutez, je vous laisse continuer de répéter toujours le même rang et on se retrouve. Une fois qu'on a terminé, donc, de faire l'auteur qu'on voulait. Donc là, par exemple, moi, c'est un petit exemple, mais j'ai terminé. Dans le modèle original, je suis venue faire 34 rangs au total. Donc là, on va venir retourner. On va passer ici à une partie lisse. Vous voyez ici. Et une partie lisse ici. Après, on va faire une petite augmentation. Une fois qu'on aura fini la partie des épaules. Petite augmentation, vous voyez, pour vraiment donner une petite forme en V et on travaillera tout droit. Donc là, très important, si par exemple directement j'attaque la partie de devant, ça fera affreux. Puisqu'on a besoin d'une partie pour les épaules en fait. C'est inévitable, c'est comme si on fait un raglan, vous voyez. Donc quand on assemble des rectangles ensemble et tout, tout simplement, ben, le résultat ça se voit à la fin. Il tombe pas comme il faut. Donc ici on retourne. On fait ici une maille en l'air. On commence à travailler tout simplement pareil que d'habitude. Une bride ici. Je saute ma bride suivante et sur la maille serrée. Maille serrée et bride. Vous voyez comme un rang normal, on le commence. Hein? Pareil, j'ai une bride, une maille serrée. Sur la maille serrée, une bride. J'ai une bride, une maille serrée. Sur la maille serrée, une bride. Donc là. J'ai déjà, donc ici, j'ai ma bride de bord, celle-là, on va venir la compter. On a une, deux, trois motifs. Je fais un quatrième. Une maille serrée, une bride. Vous voyez? Et une fois que c'est bon, on termine en faisant ici, dans la bride qui suit, vous voyez, qui appartient ici à notre col, puisque moi, personnellement, pour cet exemple-là, je vais venir travailler quatre motifs ici, quatre motifs ici. Et là, il va m'en rester deux de disponibles de motifs. Pour le modèle original, j'ai travaillé 8 motifs d'un côté, 8 motifs de l'autre, et au milieu, il m'en restait 4. Tout simplement. Donc, vous les répartissez bien entendu comme vous voulez, hein, mais comptez pas trop pour la nuque, vous voyez, un petit peu. Vraiment un petit peu, vraiment la taille de votre nuque. Donc, ici, comme je vous disais, une fois qu'on a le bon nombre de motifs qu'on a choisi ici, on vient juste ici se plaquer sur la bride qui suit par une maille serrée. Ça va nous aider en fait tout simplement à faire notre bord, vous savez. Donc là, on retourne une maille en l'air. Ici, on commence en faisant notre bride sur cette maille serrée. Vous voyez, notre bride de départ qu'on fait à tous les rangs. Et là, automatiquement, j'ai une bride, une maille serrée. Sur la maille serrée, je fais ma maille serrée et ma bride. Sur la maille serrée suivante, maille serrée, bride. Sur la maille serrée suivante, pareil. Donc là, c'est tout à fait normal jusqu'à terminer le rang. Hop, sur la maille serrée, pareil. Et à la fin, vous avez donc votre bride ici de bord. Comme d'habitude, vous piquez bien dedans. Hop, et vous terminez par votre maille serrée de bord. Vous voyez? On retourne. Et on vient ici. Donc hop, je me prends juste un petit peu de fil. On vient ici commencer le rang tout à fait normalement. Une maille en l'air. Ici même, une bride. Voyez? Ici, j'ai la bride, la maille serrée. Sur la maille serrée, je fais ma maille serrée et ma bride. Là, c'est pareil, je saute la bride. Sur la maille serrée, la même chose.
et je continue normalement, vous voyez. Et à la fin, je termine sur ma bride de bord ici. Vous voyez, je pique correctement et je fais ma maille serrée de bord. Donc ici, j'ai déjà 3 rangs, vous voyez. Donc moi, je vais m'arrêter là. J'en ai fait 7 pour le modèle original. Donc ici, je vais m'arrêter à 3 vu que c'est un petit exemple. Vous faites le nombre de rangs que vous souhaitez. Hein. Et maintenant, on retourne. Et ici, avant de continuer, ce que je vais faire, je vais mettre ici un marqueur de ce côté-là, vous voyez. Juste pour m'indiquer que là, c'est là que je fais mon augmentation. Donc ici, on va venir faire une maille en l'air. Ici, sur cette maille serrée ici de bord, je fais une maille serrée. Donc normalement, on commence par une bride. Mais là, c'est une maille serrée. On fait ici une bride. Vous voyez? Donc là, j'ai fait une maille serrée, une bride au départ. Maintenant, je passe à ce motif-là. Vous voyez le suivant? Et là, je reprends normal, hein. Donc là, en fait, je vais mettre le marqueur en fait exactement à ce rang-là. Hop. Donc ici, une maille serrée, une bride. Vous voyez, sur le départ. Maintenant, j'ai le motif qui suit. Donc une bride, une maille serrée. Sur la maille serrée, ma maille serrée et ma bride. Là, c'est pareil. J'ai ma bride, ma maille serrée. Je reprends normalement. Juste essayer de tomber juste au niveau du col. Vous voyez comment j'ai augmenté ici. Vous voyez, il faut que quand vous arrêtez le nombre de rangs pour les épaules, vous soyez quand même de ce côté-là pour commencer, vous voyez? Comme ça tombera juste. Ça tombera en fait comme moi, vous pourrez suivre bien le tutoriel. Donc maintenant, j'ai une bride, une maille serrée. Sur la maille serrée et bride. Ici, j'ai une bride, une maille serrée. Sur la maille serrée, ma bride. Et ici, vous voyez? J'ai une bride de bord. Sur la bride de bord, ici, il n'y a pas d'augmentation ni quoi que ce soit. On fait notre maille serrée normale, vous voyez. On retourne. Là, on travaille notre motif normal jusqu'à arriver de l'autre côté. Donc, une maille en l'air. Ici, je fais ma bride. Ici, j'ai ma bride et ma maille serrée. Donc, sur la maille serrée, je fais le motif normal. Maille serrée et bride. Je me prends un petit peu de fil. Maintenant, dans le motif suivant, pareil, j'ai la bride et la maille serrée. Sur la maille serrée, maille serrée, bride. Là, c'est pareil. Je vais sur la maille serrée et je fais mes motifs normaux. Hop. Ainsi de suite. Et là, j'atterris à mon dernier motif. Donc, j'ai ma bride et ma maille serrée qui est marquée, vous voyez ici. Donc, sur cette dernière maille serrée, on vient faire ici une maille serrée, une bride et une maille serrée toujours au même endroit. Vous voyez, ça c'est vraiment le dernier rang des augmentations. Je vais venir marquer ce rang-là également. Là, je sais que j'ai fait mes deux rangs d'augmentation. On retourne et à partir de là, je n'ai plus fait d'augmentation. Donc, c'est-à-dire que j'ai travaillé droit complètement. Donc, pour travailler droit, c'est normal. Vous faites une maille en l'air. Ici, vous avez votre maille serrée extra. Vous voyez qu'on a mis et qu'on a ajouté. Vous faites votre bride normale par-dessus. Et ici, j'ai ma bride, ma maille serrée. Ben, sur ma maille serrée, je reprends les motifs normaux. Maille serrée et bride. Et ainsi de suite jusqu'à terminer. Donc là, il n'y a plus du tout de mystère. L'augmentation est faite. Quand j'arrive à la fin, ben, j'ai ma bride de bord. Pareil, je pique dedans et je fais ma maille serrée de bord. Vous voyez? Et comme vous pouvez voir ici, on a donné comme une petite forme, vous voyez? Donc, ce que vous allez faire ici, c'est venir continuer de travailler droit. Là, c'est comme si on n'avait plus du tout fait d'augmentation. Là, c'est vous avez le motif normal. Donc, ici, vous avez votre bride de départ. Ici, votre maille serrée de fin. Vous travaillez droit comme vous avez fait pour le dos. Une fois que vous aurez le bon nombre de rangs, donc ça, vous vous arrêtez vraiment quand vous avez envie. Hein. Comptez bien que ici, vous avez le petit morceau pour l'épaule, et à partir des augmentations, vous voyez, c'est un petit peu sur le devant, hop, ici, vous voyez, donc là, on aurait la partie des épaules, et là, la partie qui commence un petit peu plus à s'ouvrir, parce qu'on a des seins et tout, et on veut vraiment que ça puisse se joindre correctement, même qu'après, il va y avoir un grand bord élastique, vous allez voir, mais même comme ça, on veut de l'aisance, donc du coup, ici, et en plus de ça, ça fait une beaucoup plus jolie forme. Donc maintenant, je vous laisse terminer de travailler droit.
Quand vous aurez terminé, vous coupez le fil et on se rattachera ici pour faire exactement pareil qu'on a fait là, ici. J'ai terminé ici de faire la longueur. Alors pour faire la longueur, ce que je vous conseillerais moi, c'est de vraiment le rang où vous avez commencé les augmentations juste là. Vous avez ici la partie des épaules, vous voyez. Donc là où il y a le marqueur, il faut que ça tombe vraiment au début du col ici, vous voyez. Et ensuite, vous continuez jusqu'à que ça aille jusqu'en bas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est se rattacher de l'autre côté et faire exactement la même chose. Donc pour cela, on retourne de cette façon-là. Donc ici, vous avez le premier motif et le deuxième. On va venir s'accrocher ici sur cette bride-là, du troisième, on va dire, vous voyez, du premier des quatre de là. Et là, on va venir commencer par une maille serrée. On ramène la boucle que l'on vient ajuster un petit peu. Et là, on fait une maille en l'air et une maille serrée, comme je vous disais. Vous voyez? C'est uniquement pour se plaquer. C'est sur la bride du premier motif des quatre que je dois faire moi personnellement, à gauche. Donc maintenant, ici, sur la maille serrée qui suit directement. Ici, je fais une maille serrée et une bride. Vous voyez? Maintenant, j'ai ici la bride et la maille serrée. Sur la maille serrée, je fais ma maille serrée, ma bride. Vous voyez, normal en fait, hein? Ici, c'est pareil, j'ai ma bride, ma maille serrée. Sur la maille serrée, ma maille serrée et ma bride. J'ai ma bride et ma maille serrée, pareil. Maille serrée et bride sur la maille serrée. Et à la fin, ici, j'ai la bride de bord. Je termine par ma maille serrée. On retourne. Je passe au rang numéro 2 des épaules. Vous voyez, moi, j'en avais fait 3. Donc, une maille en l'air. Je commence toujours pareil par une bride. Maintenant, je poursuis dans mon premier motif. J'ai ma bride et ma maille serrée. Sur la maille serrée et bride. Là, c'est pareil. Je vais sur le deuxième, je fais pareil. Sur le suivant, la même chose. Sur la maille serrée, vous voyez, je fais mon motif. Je passe au dernier, sur ma maille serrée. Hop, ici, je fais maille serrée et bride. Et à la fin, ici, sur la maille serrée qu'on avait fait, une maille serrée de bord. Vous voyez ? On retourne, on passe au rang numéro 3. Une maille en l'air, une bride pour commencer. Ici, jusqu'à la fin, là par contre, on reprend normalement nos motifs. J'ai une bride, une maille serrée. Sur la maille serrée, je fais ma maille serrée et ma bride. Vous voyez ? Jusqu'à terminer. Donc, il fallait que je vous montre ce côté-là, vous voyez, de devant, parce qu'il n'est pas pareil que l'autre en fait. Hop. Et ici sur la bride, une maille serrée de bord. On retourne. Et là, dans ce rang-là, à la fin, on va venir faire l'augmentation qu'on a fait ici, vous voyez. Donc ici, hop, une maille en l'air, une bride au départ. Les motifs normaux jusqu'à arriver à la fin. Donc sur toutes les mailles serrées, vous faites maille serrée et bride, tout simplement. Et à la fin ici, j'ai ma bride de bord. Ici, en terminant, l'augmentation va se faire comme ça. Vous avez ici la bride de bord, vous voyez. Ici, on pique, on fait une maille serrée et une bride toujours au même endroit. Là, vous prenez un marqueur et vous le marquez ici, hop, cette bride-là. Vous voyez? Maintenant, on retourne. On passe à la deuxième augmentation. On fait deux avant de travailler tout droit. Donc, pour cela, ici, on vient faire... On commence par faire une maille en l'air. Maintenant, après la maille en l'air, on fait une bride sur la bride précédente. Vous voyez? Et maintenant, on passe ici, dans cette maille serrée-là, qui suit. Vous voyez? Parce qu'on avait la bride et la maille serrée. Sur la maille serrée, vous reprenez normal. Maille serrée et bride. Je passe au motif suivant. J'ai la bride, la maille serrée. Sur la maille serrée et bride. Vous voyez? Ici, j'ai la bride, la maille serrée. Sur la maille serrée, la même chose. Donc là, c'est les motifs tout à fait normaux. Vous voyez? Jusqu'à la fin. Et à la fin, vous terminez par, ici, la maille serrée de bord. Sur la bride, vous voyez? Et là, comme vous pouvez voir, j'ai la même forme. Donc ici, vous pouvez mettre un marqueur. Ça va vous orienter, en fait, sur les deux rangs qu'on a fait de chaque côté. Vous voyez? En V.
Donc là, vous avez qu'une chose à faire, c'est venir tout simplement travailler normal, sans augmenter ni quoi que ce soit, le même nombre de rangs que vous avez fait de l'autre côté, pour que ça soit évidemment symétrique. Donc je vous laisse continuer et on se retrouve de suite. J'ai terminé ici, vous voyez, de faire la deuxième partie à l'identique. Maintenant, j'ai coupé mon fil. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir faire tout le reste du tutoriel avec le modèle original. Vous voyez? Comme ça, vous allez mieux voir. Là, c'était juste pour vous montrer ici le dos et les deux parties de devant. Et maintenant, on va passer avec le modèle original. Donc, vous ne pouvez pas savoir comme c'est douillet et doux. Franchement, je vous la recommande à 1000% la laine. J'ai terminé de crocheter exactement la même chose de l'autre côté. Maintenant, j'ai coupé le fil. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement déjà passer ici à la couture de là. Vous voyez? Et laisser disponible uniquement la partie qu'on veut pour les manches. Donc, on vient se récupérer du fil, on le met dans une aiguille à laine et on se retrouve. Je me suis préparé un fil avec un nœud au bout. Maintenant, on va pouvoir donc passer ici à la couture. On a juste qu'une chose à faire, c'est venir plaquer motif contre motif. Vous voyez, mais vous le voyez clairement en fait où sont les motifs. Donc ici, déjà, on commence en piquant dans l'extrémité, mais le nœud, il faut qu'il reste à l'intérieur du gilet. Hop, on le pesque bien, vous voyez, pour qu'il reste bien bloqué au milieu, derrière. Et maintenant qu'il est bien bloqué, on vient en face, dans l'extrémité, vous voyez. Et on va venir commencer à assembler. Donc ici, vous assemblez de la manière que vous voulez. Donc ici, hop, au début, c'est un peu embêtant parce qu'il y a les fils. Hop, et maintenant, ben, on recommence. Vous voyez, motif avec motif. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Well, your heart is a sun. J'ai laissé ici disponible donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 motifs. Maintenant, moi, hein, c'est ce que j'ai prévu moi. Maintenant, on fait ici un nœud. Is the sun and it shines, says it opens. Et on vient tout simplement cacher le fil de ce côté-là, parce que c'est le côté en vert. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un aller-retour, vous voyez, en prenant un autre chemin pour bien bloquer le fil. Et une fois que c'est bon, ça sortira plus, hein. Vous venez couper. Et on fait la même chose de l'autre côté avant de retourner le gilet du côté principal, vous voyez? J'ai fini complètement de coudre. Maintenant, oui, on peut venir, vous voyez, retourner du côté principal parce qu'il est complètement reversible, hein, ce gilet. Donc, vous venez le mettre du côté principal, d'un côté comme de l'autre. Et ce que vous pouvez faire également ici, c'est venir placer un torchon et venir repasser un petit peu si vous voulez l'aplatir encore plus. Mais autrement, voyez ce que ça donne ici sur les côtés. On va passer maintenant à la partie d'en bas au point élastique. Donc tout simplement, on va venir s'accrocher ici dans une extrémité, vous voyez. Donc on va venir s'accrocher ici dans la pointe de coche. On pique bien dans l'extrémité, ici, hop. On récupère la boucle. Moi, j'ai fait une maille en l'air au préalable. Et maintenant, je commence à monter le nombre de mailles chaînettes qui me convient. Donc moi, j'en veux 8. Donc 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 mailles en l'air. Donc ça, c'est au choix parce que c'est la largeur, vous voyez, ici la longueur du point élastique qu'on veut. Une fois qu'on est venu monter les mailles qu'on voulait, donc moi c'est 8, on change de crochet. Là, on passe au crochet numéro 8 mm pour faire tout le bas. Donc on reprend ici la boucle. Et en fait, on va venir compter depuis le crochet. 1, 2. À partir de la deuxième, on pique et on fait que des mailles serrées. Donc on va faire absolument que des mailles serrées. J'ai construit la maille chaînette de base avec le crochet neuf pour que ici ça ne soit pas replié, ça soit vraiment très lisse. Donc on continue. 4, 5, 6,
et 7 mailles serrées, puisque j'en avais monté 8 mailles en l'air, mais j'ai commencé à travailler à partir de la deuxième. Maintenant, on vient se plaquer ici. Vous avez une bride qui est là et une maille serrée. Donc je me plaque d'abord dans la bride et je me plaque une fois dans la maille serrée. Une fois qu'on y est, on fait une maille en l'air, on retourne et on vient travailler en prenant les brins arrière tout le temps de toutes les mailles dans les 7 mailles serrées que j'avais fait. Donc brin arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière, la 7e. Une maille en l'air. Je retourne et maintenant je vais dans le sens de l'ouvrage. Donc je travaille dans mes 7 mailles serrées en prenant les brins arrière ici. Donc la première, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ici, hop, sixième, septième, et là je me plaque sur l'ouvrage. Donc d'abord dans la bride qui suit, et une fois dans la maille serrée. À chaque fois que vous atterrissez sur une maille serrée, vous savez que vous devez lever une maille en l'air, retourner et faire l'aller-retour. La même chose, quand vous aurez fini l'aller-retour, vous vous plaquez sur la bride et vous vous déplacez sur la maille serrée. Et là, vous recommencez l'aller-retour. Donc ainsi de suite, jusqu'à avoir fait absolument tout le tour, vous voyez, sur tout le bas de l'ouvrage. J'ai terminé, donc j'ai atterri ici quand je me suis plaquée, vous voyez. On coupe le fil une fois qu'on a fini. Et on tire, vous voyez. Donc la partie d'en bas, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est toute cette partie-là, vous voyez, qui va encercler tout notre gilet. Donc on va tout simplement prendre notre fil. Donc on vient ici se rattacher dans l'extrémité. Avec le fil, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles en l'air et une 8e allée. Donc je vais travailler pareil que de l'autre côté, 7 mailles serrées à chaque fois, puisque j'ai monté 8 mailles, mais je travaille à partir de la deuxième. Je compte 1, 2. Dans la deuxième, je commence à travailler mes mailles serrées. Donc 2, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Ici. Maintenant, je me plaque dans la maille suivante. Je fais ma maille coulée. Dans la maille d'après, maille coulée. Et là, je fais une maille en l'air et je fais l'aller-retour. Donc là, j'ai pris les deux fils. Hop. Donc, une maille en l'air, je fais, je repars dans l'autre sens, vous voyez. Et je travaille mes 7, ici, mailles serrées. 1, 2, toujours les bras arrière. 3, 4, 5, 6, et la septième. Une maille en l'air. Hop, je repars dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et hop, la septième. Je me plaque dans la maille suivante et dans la maille d'après. Une maille en l'air. Je repars aller-retour, vous voyez, et ainsi de suite jusqu'à avoir fait absolument tout le tour du gilet et on se retrouve. On va passer maintenant aux manches, donc j'ai déjà fait une ici. Vous voyez, on va faire la deuxième ensemble. Donc, on vient prendre notre fil et notre crochet numéro 9 mm et on va venir faire d'abord une maille en l'air. On va venir s'accrocher ici dans l'espace qu'on est venu laisser. Vous voyez, vous venez piquer une fois ici. Vous vous accrochez, vous voyez. Une maille en l'air et là, on va faire des mailles serrées. Donc, des mailles serrées dans tous les espaces, vous voyez. Une fois au sommet, ici. Et une fois dans les trous d'à côté. Donc ici, hop. Hop, il faut bien répartir les mailles serrées pour pas que ça fasse trop serré non plus. Vous voyez, il n'y a pas d'endroit exact, mais il faut que ça fasse vraiment très cohérent, très lisse. On va rien du tout déformer ici. Vous voyez, il faut que ça fasse rect. Donc ça, jusqu'à avoir fini de faire tout le tour.
J'ai terminé de faire tout le tour. Donc ici, personnellement, j'ai 30 mailles serrées. Donc ça va me faire 15 motifs. Donc on unit après la dernière ici. Donc excusez-moi pour ma voix, je suis très malade, donc je suis très enrhumée. Donc une fois que on est venu unir, on commence notre motif normalement. Une maille en l'air, ici même, vous faites une maille serrée dans la première des mailles, vous voyez. Et une bride au même endroit. Maintenant, on vient sauter une maille. Dans la suivante, on fait exactement la même chose. Une maille serrée et une bride. Et on continue ainsi, vous voyez, jusqu'à terminer le rang. On saute une maille dans la suivante, maille serrée et bride. On saute une maille dans la suivante, une maille serrée, une bride. Et ainsi de suite, vous voyez, tout simplement. Donc, travaillez souple, vous voyez, pour que ça fasse bien joli, qu'il n'y ait pas une transition trop serrée ici, vous voyez. Mais de toute façon, si vous avez fait le bon nombre de mailles serrées là, c'est-à-dire que quand vous travaillez, rien ne s'est déformé, vous allez avoir une manche, vous voyez, bien plate. Je vous montre ici, vous voyez. Par contre, si par exemple, vous ne faites pas assez de mailles serrées, ça va faire ça, ici. Donc là, vous saurez directement ben, que vous n'en aviez pas fait assez. Donc moi, personnellement, c'est 30 mailles serrées que je suis venue faire et vous allez voir que ce sera très joli. Hop, on continue et on se retrouve à la fin du rang. J'ai terminé ici de travailler mes 15 motifs. Donc une fois que c'est bon, vérifiez bien que vous avez le bon nombre de motifs. Vu qu'il est multiple de 2, bah tout simplement, si vous avez par exemple 40 mailles serrées à la base, vous devez avoir 20 motifs, vous voyez? Donc une fois que c'est bon, on unit à la première des mailles serrées du rang. Et dans ce motif-là, on va venir une fois dedans, une fois dehors. Donc vous retournez vers l'intérieur. Vous faites ici une maille en l'air pour commencer. Et vous atterrissez directement sur la maille serrée, vous voyez? Donc vous avez ici la bride et là la maille serrée. Là, de nouveau, vous avez la maille serrée et la bride. Donc, vous venez bien sur la maille serrée, elle est juste en dessous là. Vous voyez, vous avez uni. Et ici, vous faites votre maille serrée et votre bride, tout simplement. Vous passez au motif suivant. Vous voyez, bride, maille serrée. Vous venez sur la maille serrée et vous faites une maille serrée et une bride. Et ainsi de suite. On saute la bride sur la maille serrée et bride. Donc, le motif normal qu'on est venu faire ben, tout le long jusqu'à terminer le rang. J'arrive à la fin. À la fin, c'est pareil, vous avez fait votre dernier motif. Ici, on unit à la première maille serrée. Vous voyez, ici, par une maille coulée. On retourne. Donc ici, hop. Et on atterrit. Donc déjà, on fait une maille en l'air. Et ici, regardez. On atterrit directement où il y a la maille serrée. C'est automatique en fait. Vous voyez? Donc ici, vous faites une maille serrée et une bride. Vous passez dans le motif suivant, vous avez une bride, une maille serrée. Dans la maille serrée, la même chose. Vous faites, hop, une maille serrée et une bride. Vous passez au motif suivant, vous avez la bride et la maille serrée. Sur la maille serrée et une bride. Vous voyez? Et vous continuez normalement. Voyez? Ensuite, quand vous aurez terminé ce rang, vous unissez normalement. Vous retournez vers l'intérieur et vous recommencez à répéter le rang d'avant que je vous ai montré. Voyez, c'est chaque fois que vous tombez sur la maille serrée. Soyez juste attentive de bien la trouver. Et après, ben, c'est toujours la même chose en fait. Maille serrée, bride, maille serrée, bride. Voyez? Donc ça, vous allez le faire. Donc vous allez le faire jusqu'à qu'il vous manque vraiment très très peu ici. Hop, ce petit morceau, vous voyez ici? Quand vous serez arrivé là, vous voyez, quand vous mettez le gilet sur vous, c'est que c'est bon. Là, on passe à ce tout petit morceau de point élastique et on aura terminé. J'ai terminé la longueur que je voulais faire moi personnellement. Donc au total, j'ai fait 22 rangs. Alors, il y a les mailles serrées et ensuite 22 rangs, vous voyez du motif? Donc maintenant, on va commencer le point élastique. Alors moi personnellement, j'ai choisi de faire une, deux, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Une fois que j'avais les 6, je commence à travailler à partir de la deuxième des mailles. 1, 2,
ici, dans la deuxième, je pique et je fais ma maille coulée. Dans la suivante, maille coulée. Suivante, maille coulée. Suivante, maille coulée. Suivante, maille coulée. Donc au total, j'en ai 5. Une fois que c'est bon, je viens ici. J'ai une bride. Vous voyez qui suit ici? Donc là, je fais une maille coulée. Une maille coulée sur la maille serrée. Et une maille coulée sur la bride suivante. Donc au total, j'ai fait 3 mailles coulées au lieu de 2, vous voyez, que je faisais ailleurs. Parce que je veux que le poignet rétrécisse vraiment beaucoup. Donc une fois que c'est bon, on retourne un petit peu. Hop. On fait une maille en l'air et on va travailler dans ce sens-là. Vous voyez? Donc ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Elle est là la première, vous voyez? Hop, et je commence à faire mes mailles coulées en prenant bien toujours les brins arrière de chaque maille. Ça, c'est très important. 3, je fais ma quatrième et je fais ma cinquième. Une maille en l'air. Je retourne vers le poignet, vous voyez? Ici, vers la manche. Et je commence à faire mes 5. 1, 2, 3, 4 et la cinquième maille. Ici, en prenant toujours les bras arrière. Et maintenant, pareil, on se plaque dans la maille suivante qui est la maille serrée ce coup-ci. Sur la bride suivante et sur la maille serrée suivante. Une maille en l'air. Je retourne et je travaille ici, comme ça. En aller-retour non-stop, vous voyez. Donc là, je refais mes 5 mailles coulées en prenant les bras arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air. Maintenant, je repars dans le sens pour atterrir jusqu'à la manche. Et je refais mes 5. 1, 2, 3, 4 et je fais ici ma cinquième. Maintenant, je viens me plaquer sur la bride suivante, sur la maille serrée et sur la bride suivante. Une maille en l'air et de nouveau l'aller-retour. Donc je fais ça jusqu'à terminer de faire tout le poignet et on se retrouve. J'ai terminé, donc j'arrive au bout, j'ai fait tout le tour. Maintenant, on va venir unir, donc tout simplement ce que vous faites à la fin, déjà vous vous plaquez ici sur le bas, ici, hop, et maintenant vous plaquez ces deux morceaux ensemble et vous venez les unir normalement avec des mailles coulées, tout simplement. Donc, je vais venir piquer ici d'un côté, hop, d'un côté ici, on ramène le fil et on le fait glisser, vous voyez, de nouveau ici. Ici, on ramène le fil et on le fait glisser à travers toutes les boucles. De nouveau, ici. Ici, on ramène le fil et on le fait glisser. Ici, ici, et on le fait glisser, vous voyez? Une dernière fois, donc ici piquez bien, attrapez un bon petit morceau sur le haut et la dernière maille coulée. Vous voyez, une fois qu'on a ce résultat là, on vient couper et on vient faire ici une maille en l'air et on tire. On ajuste bien, vous voyez. Ici vous cachez votre fil et vous auriez fini le poignet. Donc vous faites la même chose de l'autre côté et on se retrouve. We don't need a club, got our own booth. Coming at the same time, you're eating bus a dime for us. When we make it rain in the bedroom, we don't tell us all what we gon' do. Dirty little secrets, yeah. Keep it in the sheets with us. When we make it rain in the bedroom, bedroom.
When we make it rain in the bedroom, bedroom. Bedroom, bedroom. I'm amazed, squeeze.